Vous avez bien vu au titre, on va passer 24 heures en prison. Oh là là là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Wow. Nouvelle vidéo en compagnie de Myriam et de Younes. Donc aujourd'hui, vidéo assez particulière, on va se mettre dans la peau des détenus. On va passer 24 heures en cellule, dans une prison, donc enfermée. Par contre, c'est hors de question. Au moins, on est trois, on va bien s'amuser. Non, c'est hors de question qu'on reste ensemble. Moi et Myriam, on reste dans cette cellule. Toi, tu trouves une autre cellule. Tu vas en bas, dans le garage, ou je sais pas. Mais vous avez vu comment ils sont. Je fais tout pour eux, mais on peut pas souffrir ensemble. On peut pas. Vas-y, je vais aller dans une cellule, je vous laisse cette cellule parce que vous êtes des petits fragiles. Ouais, allez, vas-y. Et bonne chance. Allez. Oh la vieille cellule. Ouais, j'ai rien pour m'occuper, j'ai que du sport. Bon là, ça va être séquence ménage. Dans prison, il n'y a pas de femme de ménage. C'est-à-dire que ça, c'est aux détenus de faire le ménage. Moi, il y a toujours un prisonnier sur les deux qui est toujours maniaque. C'est-à-dire toujours, il veut que ce soit tout bien rangé et tout. Pas le ménage. Donc là, ça va être moi. Viens, me range. Non. Eh, range, je veux pas que je te monte en l'air, on est en prison là! Range là! C'est pas une éponge, hein, c'est essuie avec une serviette. Essuie de ton côté, j'essuie de mon côté. Tu vois, j'essuie avec quoi, avec mes mains? C'est un crado, tu vois. Oh, vas-y, il faut pas que je reste comme ça, sinon je vais péter un cap, je vais faire du sport. Comme les taulards. Eux, les taulards, j'ai vu sur internet, les trucs préférés qu'ils aiment faire, c'est les pompes et les tractions. On va commencer par faire des pompes. Ça, si tu sais pas faire des pompes en prison, tout le monde va se moquer de toi. Hein. On va essayer d'en faire rapide comme ça. Voilà, comme ça. Chut. Que des séries de 10 pour pas trop se fatiguer. Et je sais pourquoi ils font de la musculation en prison. Parce que plus tu parais énorme, plus t'es balèze et plus les gens ils vont te respecter à mon avis. Parce que si t'as vu, entre un mec tout maigre et un mec balèze, moi personnellement, j'aurais peur du mec balèze. Même si ça veut rien dire, le mec tout maigre il peut faire de la boxe et t'exploser. Mais je sais pas, après il y a aussi les tractions. Les tractions ils doivent les faire dans leur porte de leur cellule ou je sais pas, ils doivent se trouver des trucs. Comme ça là. Chut. Ouais, c'est de faire une heure de musculation, je pense, ça va bien me fatiguer et ça va me permettre d'oublier mes problèmes. T'as deux types de personnes, soit t'as la personne qui a de l'argent et qui peut se mettre bien, c'est-à-dire s'acheter une console, à manger, etc., etc. Et soit t'as la personne qui a pas d'argent et qui malheureusement, ça va être la hesse pour lui. Donc nous, on va être dans la peau de ceux qui ont de l'argent. Et tu sais quoi, il ramène une autre manette. Deux manettes, en prison, il y en a qu'une seule. Oh. Eh ben, on fait un défi. Celui qui fait le moins de kills, il paye à manger à l'autre, c'est bon? Ok. Vas-y, c'est parti. Tu vas te faire tuer dès la première minute. Moi, je suis déjà à 5 kills. Hein. N'importe quoi. Mais ça recommence à partir de maintenant. Hein. Vas-y, ok. C'est parti. Attends, attends. Il faut que je recharge, là. T'es là depuis combien de temps, toi? Je sais pas. Comment ça se fait que t'es forte comme ça, là? Wesh, 3 kills. C'est ça. Non, mais non. Mais comment ça se fait que t'es forte comme ça? C'est l'heure de manger les gars, j'avoue ça commence à me donner faim toute cette histoire. Alors en prison, il y a deux manières de manger. La première, à ce que j'ai vu, ça s'appelle cantiner. Cantiner, ça veut dire quoi? C'est quand un prisonnier dans sa cellule, il a de l'argent. Il n'est pas riche, hein, mais il a de l'argent. Il peut faire ses propres courses. Genre comme dans la vie réelle, il peut s'acheter des pâtes, il peut s'acheter des Kinder, il peut s'acheter ce qu'il veut, ce qu'il aime manger, des yaourts et tout. Il y en a, ils ont des frigos, ou il y en a, ils stockent, et après ils se font à manger dans une sorte de bouilloire, ils mettent à chauffer et ils mangent. Ça, c'est la manière des prisonniers qui ont de l'argent. Ceux qui n'ont pas d'argent, comme aujourd'hui, j'ai pas d'argent. On doit manger à la cantine de la prison. Et la cantine de la prison, c'est comme la cantine de l'école. Je pense que ça doit pas être très très bon ça. Hein. Donc aujourd'hui, on a quoi à la cantine de la prison? Pommes de terre, haricots verts, viande et un fruit. Moi, ce que je fais quand j'ai des repas comme ça, je commence toujours par le truc qui est un peu moins bon. Et après, je finis par le truc le plus bon. Donc là, c'est les haricots verts. Bismillah. Je commence direct par les haricots verts. Bismillah. Après, dis-toi qu'en prison, même si t'aimes pas, t'es obligé de manger parce que sinon tu manges pas toute la journée parce que t'as pas d'argent. Donc c'est un truc de ouf. Au moins les pommes de terre pour se réconforter. Je sais pas ce qu'ils sont en train de grailler là-haut là, mais ça, ils savent pas faire la cuisine, ils doivent se manger du riz tout sec. Je sais pas ce qu'ils vont se manger, ça doit être incroyable. Je viens de remarquer un truc de ouf, j'ai regardé sur internet et apparemment en cellule on peut commander sur Uber Eats. Ouais! La commande est arrivée! Franchement, c'est un truc de ouf. Qui aurait cru qu'en prison on puisse commander sur Uber Eats? C'est incroyable, hein? Pas moi. Bon, on va voir ce qu'il y a dedans. On va ouvrir ça. J'espère que c'est bon. D'ailleurs, force à tous ceux qui sont en prison. Force à vous et quand vous sortez, devenez des personnes meilleures. C'est le but de la prison, quoi. Merci. Avec les petites sauces, donc elle a pris un tacos. Tacos de prison. Les tacos de prison, généralement, c'est des big tacos. T'as vu, en prison, t'es dans une cellule, il fait froid. Du coup, ils te font un gros tacos pour te réconforter. Oh là là, avec les petites sauces là, tiens. Petite palette de tropico, ça c'est la base. Est-ce que vous connaissez la technique de la prison? Je voulais que je vous montre la technique de la prison. Non, normalement, je peux pas la faire ici, j'ai la haine. Tu ouvres la fenêtre, tu poses la canette dehors, genre à côté des barreaux, et ça te fait une canette fraîche, ça te fait comme un frigo. C'est incroyable.
Vas-y, tu peux taper ton croc. Incroyable. Oh là là, ça a l'air incroyable. Y a quoi dedans? Vas-y, dis-nous, y a quoi dedans? On va voir si elle est forte. Cordon bleu. Ouais. Frites. Ouais, bah la base frites, ouais. Et sauce. Cordon bleu, frites, sauce. Ok, pas mal. Elle est forte, elle est. Je vais réfléchir à un truc là. En prison, c'est la loi du plus fort. Y a toujours des gens qui se font haggal en cellule et tout. Imagine, tu commandes un truc Uber, t'as la dalle. Et ton co-détenu, il te la péta. Et genre, il te la prend comme ça. Il te regarde droit dans les yeux. Qu'est-ce que tu vas faire? Et il te prend et il te mange ta commande. Oh là là. Oh la sauce. Franchement, la prison, les gars, faites tout pour l'éviter. Hein. C'est... Quand tu vois les reportages et tout, ça a l'air compliqué. Carole, ça. Qu'est-ce que je fais? Et d'ailleurs, force à tous ceux qui sont en prison, que Dieu vous aide. Inch'Allah, vous allez sortir vite. Je vais appeler Younes pour voir comment il s'en sort. Parce que Younes, il est dans une cellule plus bas. On va voir. Ouais, c'est comment? Ouais, Yassine. T'as de quoi te chauffer, ça va? Tu manques de rien? Ouais, ici, laisse tomber, ici c'est la galère, y'a rien à faire. Je peux faire que du sport. De toute façon, tu sors bientôt, hein, faut tenir, frérot. Vas-y, bon courage. Hey, ça se voit que Yacine et Myriam, ils sont en train de galérer, les pauvres. Vas-y, force. Ah, c'est compliqué, hein. Je vais m'ouvrir. Hey, j'ai une question à te poser. Oui. Si un jour on devait être en prison, tu préférais être le co-détenu de Younes ou le co-détenu de moi? Le celui qui a eu Burrit. Ouais, Yacine, c'est l'heure de la promenade, on a le droit à une heure de sortir. Surveillant! Ouais! Enfin, ça fait plaisir. Ça va, ça se passe bien en cellule là-haut? Ouais, ça va. C'est pas trop dur? C'est quand même un peu. Moi, c'est la psychiatrie, je suis dans le garage, je suis enfermé, j'ai rien à faire, je fais que ah du ouais sport. Et il est où Yacine là? Putain, on parle avec le surveillant, il a dit qu'on a qu'une heure. Hein. Quoi? Ouais, on a qu'une heure. Venons, on fait un jeu. On fait quoi? En plus, il pleut. Eh, moi, je vais m'enfuir. Non! Ah ouais, on peut s'enfuir, j'ai oublié. T'es une malade, on va aller au mitard si on s'enfuit. C'est quoi le mitard? Le mitard, c'est une petite pièce exiguë tout noire, y a aucune lumière. Hey, je te propose un truc. Si je vous bats au basket, on échange de cellules. Non, arrête. Si, arrête, vas-y. Si elle est pire, tu changes avec elle. Non, avec vous deux, vous allez dans le garage. Hey, t'as intérêt à pas perdre, hein. C'est fini les Uber Eats et tout après. Mais c'est bon. Comment ça, Uber Eats? Vous avez mangé quoi? Non, je me suis trompé. Vas-y, go, allez. Il est chelou, pourquoi il y a du Uber Eats? Ouais, vamos. Attends, mais pourquoi t'as du Uber Eats? Non, je me suis trompé, je voulais dire c'est fini les pompes. On fait des pompes en prison. Ok. Ouais, c'est ça, ouais. La balle, comment elle est? Bah, c'est là-bas de la prison, je crois. T'as quoi en prison? En plus, il y avait une sangsue dessus. Ok, seulement un. Voilà! Pas de pommes de terre à la cantine, c'était la fond, mais. Pas de pommes de terre? On va changer de cellule, les gars. 2-1. On va changer. Ouais, changer de cellule! Ouais, changer de cellule. Égalité, dernier panier. Allez, le panier pour le confort. Ah, malheureusement, c'est raté. On entend quoi? On doit retourner dans la cellule. Allez, on va. Non, mais attends. Vas-y, frérot, force à toi. La sûreté, c'est sûr, et la sortie, c'est sûr. Allez, force à toi. Je m'en ai, j'ai envie de sortir. En vrai, en prison, si t'aurais un ordi avec internet, et tu peux aller sur le site là, Animesama, où t'as tous les animés One Piece et tout, la peine, elle doit passer super vite, hein. Allez, on va se poser, c'est parti. Les gars, aidez-moi. Eh, vraiment, c'est des arnaqueurs ces deux-là. Eh, j'en peux plus, vraiment, j'en peux plus. Je vais essayer de me reposer un peu parce que là, je commence à être fatigué. Ah ouais, je suis en ouf, là, il y a un coussin. On va se reposer un peu. Ah, c'est de la merde. Il y a toujours des jeux trop nuls en prison. Et bah, vu qu'on n'a pas beaucoup de matériel, on n'a pas de ballon de basket, et bah, on va faire un truc. Je vais dire une couleur et tu vas devoir prendre l'objet et t'as 5 secondes pour le prendre. Celui qui arrive pas, il lave la douche ce soir. Oh là là. Ok. Tu vas devoir le prendre, hein, c'est pas tu le dis. Ok. La couleur. Blanche. 5, 4, 3. Il n'y a pas du blanc. 2, 1. Ok. La couleur. Au début, on commence doucement. Bleu 1. Bleu 2. Ok. Aidez-moi! C'est vrai que je me disais, on a tous quelqu'un dans notre famille ou nos proches qui est déjà allé en prison. Ça, faut pas. C'est pas qu'il faut pas leur en vouloir, mais tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait des bêtises. C'est vrai qu'on doit avoir une punition, mais après, si la personne elle demande pardon et se repent, bah faut lui laisser une seconde chance, quoi. Parce qu'on peut tous faire des erreurs. Les mecs, je suis pas un exemple à suivre, je vous demande pardon. Oh, il y a des trucs bizarres dans cette prison. Je suis pas un exemple à suivre, je vous demande vraiment pardon. Et Yacine et Myriam, je m'excuse auprès de vous, mais j'ai réussi à faire passer un téléphone en prison.
Il y en a qui arrivent, j'ai vu des reportages. Ouais, là, il y a mes poches, mais je les mets juste en haut. Un iPhone en prison. Là, je vais appeler ma mère, je vais demander si elle peut me... si elle peut m'aider dans cette situation. Allô, allô maman, ça va? Oui, ça va, de là. Ouais, est-ce que tu pourras me ramener des gâteaux petits lus au parloir? Des gâteaux, des petits lus, on en a là, à la maison? Des gâteaux comment? Des petits lus au chocolat, doux et fondant. Je sais pas, je crois avoir. Ah ok, bah c'est pas grave, merci quand même. Bon, je crois que la vidéo elle est terminée là. Moi je vais vous laisser là. La liberté, faut pas se plaindre. On se plaint souvent, on n'a pas la play, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Mais en vrai, la liberté, frère, c'est que quand t'es enfermé que tu la connais. Je commence à parler comme un poète. N'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous. J'espère que bah, s'il y a des prisonniers qui voient cette vidéo, que Dieu vous facilite. Et bon courage à vous. Allez, ciao.